Donc, là, qu'est-ce qu'on va braquer? Alors, on a fait les banques, la bijouterie, et il nous reste la grosse banque d'en haut. La grosse banque d'en haut, mais là, par contre, on va bien sûr prendre le blindé. D'abord, on va prendre le blindé, bien sûr. Donc, j'étais assez déçu des deux derniers bracos. Donc, j'espère que celui-là va remonter niveau comme celui de la Pacific Standard. J'espère vraiment que ça va remonter. Donc, voilà. Et après, ben, je pense qu'on aura fait. Il nous manquera un petit braquage, mais c'est un tout petit braquage. Je pense qu'il durera pas très longtemps, tout comme les autres. Mais celui-là est sûr d'être nul. C'est nul. C'est un braquage, quoi, donc je vous le mets. Mais il peut être nul. Il peut être nul comme il peut être bien. J'espère qu'il est bien. Des images que j'ai vues, il est mieux cinématisé que les autres, que les deux derniers bracos que j'ai fait. Pourtant, c'est des banques ou bijouteries. Alors que là, ça va pas être une bijouterie ni une banque. Vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. Donc, là, on va y aller. On va aller prendre le blindé. Au moins, je suis tranquille parce que j'ai l'impression que ça va être une grosse banque celle-là. C'est la grosse banque du Nord, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça va être tendu. Par contre, comme on a déjà pris le blindé, je vais voir si je prends pas l'autre. Parce que la Kuruma, je l'ai déjà prise. Comme la Kuruma, je l'ai déjà prise, je pense que je vais prendre. Ah, ok, mon blindé n'est plus là. Ok. Ok, donc je suis dégoûté, là, la fourrière. On va prendre la Kuruma. On va prendre la Kuruma, je vais pas prendre de risque parce que ce pick-up, il y a assez d'espace pour me tirer dessus, donc c'est autant prendre mon véhicule perso. Mais là, ça va. Là, ça va, donc on va aller en Kuruma, donc c'est tout en haut. Allez, c'est parti. Voilà. Après, prochaine vidéo. J'ai aussi un gros truc à vous proposer. C'est inédit, quoi. C'est inédit. Je voulais pas le faire, mais ça fait du contenu et peut-être que c'est bien en fait. Finalement, peut-être que ça c'est bien. Donc on verra. On verra. Donc toujours sans bodyguard. J'ai pas essayé. Après, j'ai vu aussi un mode pour braquer le casino. Donc ça, c'est un mode plus gros, donc j'ai pas voulu le mettre avec les autres modes, parce que là, je les ai tous mis et après j'ai lancé le jeu. Je voulais, et j'ai pas mis celui-là parce que c'est un plus gros mode. Il y a plus de dossiers à mettre et je voulais pas bloquer GTA parce que si je mets tous ces modes, les modes là que j'ai rajoutés, plus ce mode là où il y a beaucoup de dossiers, si ça bloque, je ne sais pas d'où ça bloque. Alors que là, vous voyez que je joue, donc tous mes modes là que j'ai mis là ont marché. Donc ça veut dire que si quand je mets le braquage du casino, il se débloque, enfin il se bloque, je sais d'où ça vient. Donc je serai un peu tranquille et je pourrais l'enlever. Donc c'est pas sûr que je vous le fasse, mais je peux vous le faire. Voilà. C'est possible que je vous le fasse. Donc voilà, bon là, 7 km, assez loin. C'est très très loin. Après, c'est vrai, j'ai oublié, je peux appeler Trevor ou Michael et ils peuvent m'aider du coup. Mais non, je vais pas faire ça parce que c'est bon, c'est trop tard. Juste, je veux voir si mes bodyguards ils peuvent être ici. Ça, je sais pas c'est quoi, TNT. Je vais appeler, je vais voir c'est quoi. Le mode radiateur n'est pas. Ah, ok. Ok. Donc, en fait, là,
de mes deux dernières vidéos regroupées, le trajet plus long de cette vidéo que les deux bracos que j'ai fait, les deux dernières vidéos. Donc, assez dégoûté. Après, j'ai voulu rajouter aussi une difficulté où je rajoute des radars où, en fait, si je suis en excès de vitesse, j'ai une amende. Et il y a les contrôles routiers. Ça peut rajouter une difficulté, mais je sais pas si je le mets en fait. Je ne suis pas sûr de le mettre, mais en tout cas, on verra. En tout cas, je vous ai bien servi. Là, cette vidéo sortira le 17, je crois. Elle sortira le 17 alors qu'on est que le 11. Non, le 18. Ou 18 ou 19 celle-là. J'ai pas. Je sais plus. 18 ou 19. Mais c'est bien quand même. 18 ou 19. Et là en fait vous avez une semaine de vidéos. J'ai préparé une semaine de vidéos. Certes, elles sont pas longues, mais c'est du contenu quoi. Et bien sûr, beaucoup de GTA. Merde, je l'ai pas vu. Enfin, je regardais pas. Beaucoup de GTA. Après, je pourrais faire d'autres vidéos, d'autres jeux, et ça va arriver, vous inquiétez pas. Peut-être que Fortnite, ça arrivera. Dans pas longtemps. Juste, il faut que je configure ma manette, parce que clavier souris, c'est galère. Je prends l'habitude encore sur GTA, j'ai réussi, c'est facile. Et j'ai beaucoup joué en clavier souris sur GTA. Mais Fortnite, c'est plus rageant, en fait. C'est très très rageant. Donc là, on va arriver dans la banque. On va la caler devant la voiture comme d'habitude. On change pas le mode de fuite. Bien sûr. Après, elle est pas très rapide. Hein. Elle va pas très très vite. Hein. Le blindé va beaucoup plus vite. Je pense. Alors, c'est juste ici. Donc, on va rentrer. Et ma fuite, je vais partir comme je suis rentré, en fait. Toc. Voilà. Je vais partir totalement comme je suis rentré. Alors, là, je rentre. Hold up. Allez, sort. Ok, faut l'intimider. Voilà, là il sort. Ok, donc là c'est direct comme ça. Après c'est une petite banque, c'est pas comme la Pacifique. Mais il a quand même baissé les bras, hein. J'avais tiré dessus. Ok, pour l'instant j'ai pas d'étoile. Ah, celui-là ça fait pareil, je vais être dégoûté les gars. Je vais pas prêt. Hein. Ok, ça. Ah, c'est bon, il y a les étoiles. Ok, donc là c'est les lingots. Donc il y en a là, il y en a dedans. Ok, nickel. Un lingot, 90K. On va voir combien on va monter. Le mieux, c'est 4 millions. Donc je pense que là aussi, on va faire 4 millions. Je doute, vu que même dans les petites banques, on fait 4 millions. Je pense pas. Hein. En vrai, non, je pense pas. Je pense pas faire 4 millions. Il reste que ça, je pense pas faire 4 millions. Si je fais 4 millions, c'est vraiment, vraiment chaud. Alors là, 4 étoiles, normal. Mais maintenant, est-ce que je vais les avoir quand je vais sortir? Parce que, ah ouais, ils vont y être les 4 millions. Parce que il y a la grosse arnaque des deux derniers bracos là. Je suis assez dégoûté. Mais bon, allez, c'est pas grave. Oh, est-ce que, eh non, il n'y a pas 5 millions là, me dis pas. Non, il n'y a pas 5 millions. On va dire qu'il y a 5 millions, on a arrondi les gars. Ok. Ok, ils sont là. Ah non. Oh non. Loose de cop. Ah, mais je crois que c'est moi qui fait rater tout ça. Je vais y retourner. Team the K-Car. Je crois que c'est moi qui fait échouer tout en fait. Ouais, je crois que c'est moi qui fais tout échouer en fait. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, je gagne les sous. C'est ça que je trouve encore plus bizarre. C'est que je touche les sous.
Bon, c'est un peu nul en fait, hein. C'est un peu déçu là, un peu beaucoup même. Pour cette banque là, je suis déçu, hein. Bon, on va faire une recharge, mais je suis très déçu. Je sais pas si je vais sauvegarder d'abord. J'ai quand même gagné de l'argent. Mais après, j'habite assez bas. Il n'y a même pas ma maison. Bon, allez, je vais faire une recharge. Bon, ben, je suis encore dégoûté. Ben, j'espère que ça vous a plu. Ça fait du continu après, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté.